Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Alors, par cette vidéo, je veux simplement dire à quelqu'un ce matin, ne compromets pas toute ta vie parce que tu n'as pas les papiers. Il y a tellement de solutions qu'on va te proposer là-dehors. Fais un enfant, épouse un Français, fais une fausse demande d'asile. Tellement de solutions, mais qui, à mon sens, ne sont pas les plus intéressantes pour toi parce que ces solutions-là vont avoir des conséquences, vont avoir un impact sur ton futur. Donc vraiment, si tu as peut-être 5 ans ou 2 ans ou 3 ans à passer sans papier, ne sacrifie pas en fait, ne compromets pas ta vie à cause de 2 ans ou 3 ans sans papier en fait. Ne fais pas des choses que tu vas regretter dans l'avenir. Je dis toujours que l'une des choses les plus importantes sur cette terre, c'est d'avoir sa paix intérieure. C'est d'aller se coucher sans remords, sans avoir des choses qui nous tourmentent. Tu imagines, tu poses un acte aujourd'hui, oui, tu as tes papiers, mais après, dans 10, 15, 20 ans, c'est un acte qui te suit, tu as des remords, tu passes des nuits blanches parce que tu regrettes d'avoir fait ça. Donc vraiment, je t'en supplie, il y a des moyens plus légaux, plus droits, si je peux m'exprimer ainsi, pour te permettre de te régulariser. Ne compromets pas toute ta vie à cause d'un moment sans papier. Et je t'invite vraiment à te procurer mon livre d'étudiante étrangère à sans papier en France, dans lequel je te partage mon parcours par rapport à ce chemin vers la régularisation. Oui, moi aussi j'ai eu des opportunités de me compromettre. Moi aussi j'ai eu des opportunités de prendre des raccourcis, de faire des choses pour avoir mes papiers rapidement. Mais je ne l'ai pas fait et j'ai quand même eu mes papiers. Donc vraiment, je t'encourage à te procurer le livre sur Amazon. Je te mettrai le lien en commentaire et je veux encore t'encourager. Ne compromets pas ta vie simplement à cause d'un moment, d'une saison sans papiers. D'accord?